Bonjour, monsieur le secrétaire général du gouvernement. Je crois que nous avons le quorum. On va faire vérifier ça par le secrétaire général, s'il vous plaît. Oui. Donc. Oui, je pense. Merci, madame la présidente. Donc, sont présents vous-même, madame la présidente. Monsieur Michel, vice-président de la CP, doit arriver. Monsieur Pabouti, qui est secrétaire, est présent. Madame Bacas est absente, mais a donné procuration à monsieur Blaise. Madame Barbier est présente, monsieur Blaise est présent, madame Ruffnac est présente, madame Thiéoué est présente, monsieur Toutougourou est présent, monsieur Waneux est présent, et enfin monsieur Wachetine est absent mais a donné procuration à madame Thiéoué. Donc les conditions de quorum sont remplies, madame la présidente. Merci beaucoup. Donc monsieur le secrétaire général, vous voulez bien annoncer l'ordre du jour de notre séance, s'il vous plaît. Merci, madame la présidente. Donc, l'ordre du jour de cette réunion est composé des textes suivants, enfin des propositions suivantes. Premièrement, la proposition de délibération relative à la publicité des travaux du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. C'est la proposition numéro 27 du 4 mars 2020 déposée par le président Wamitan. La deuxième proposition est la proposition de délibération portant modification de la délibération modifiée numéro 155 du 9 janvier 2006 relative au comité consultatif de l'environnement et de la délibération modifiée numéro 82 du 25 juillet 2000 portant organisation et fonctionnement du conseil consultatif de la recherche. C'est la proposition numéro 32 du 28 mai 2020 déposée par le président Wamitan et madame Suvé. La troisième proposition est la proposition de délibération fixant la date d'ouverture et la durée de la première session ordinaire de l'année 2020 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de la proposition numéro 33 du 2 juin 2020 déposée par le président Wamitan. Et enfin, la quatrième proposition et la dernière est la proposition de délibération portant modification de la délibération modifiée numéro 2 du 24 mai 2019 portant désignation des membres du Congrès au sein des commissions intérieures et spéciales. C'est la proposition numéro 30 du 25 mai 2020 déposée par madame Nadine Jalabert. Merci, monsieur le secrétaire général. Donc, comme vous l'avez constaté, on en est revenu à la configuration habituelle, hein, réglementaire du Congrès, comme ça vous avez été le cas ce matin également pour la session extraordinaire de ce matin. Et donc, sur cette proposition de délibération, la première relative à la publicité des travaux du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, il s'agit de la proposition numéro 27 donc, du 4 mars de monsieur le président du Congrès. Le rappel, monsieur le secrétaire général, s'il vous plaît, sur l'examen de cette proposition par le Congrès. Je vous remercie, madame la présidente. Comme j'ai pu l'indiquer en début de vos travaux, cette proposition a été déposée sur le bureau du Congrès le 4 mars 2020 par monsieur le président Roch Wamitan. Elle a été examinée en commission devant la commission spéciale chargée de la refonte du règlement intérieur le 27 mai 2020. Le rapport de commission sous le numéro 66 a été diffusé aux conseillers le 5 juin 2020. Une note établie par les services du Congrès et datant du 9 juin a été diffusée le même jour aux conseillers. Et enfin, vous avez annoncé que vous étiez susceptible, madame la présidente, de déposer deux amendements portant sur les articles 1er et 3. Et je crois que vous avez finalement déposé ces amendements qui sont en cours ou qui ont été diffusés et remis à l'ensemble des conseillers présents. Il s'agit des amendements numéro 1 et 2. Qui portent sur les articles 1er et 3, madame la présidente. Très bien. Merci. Donc la commission spéciale chargée de la refonte du règlement intérieur a été présidée par M. Roch Wamitan. Et puis, vice-président, Madame Wateu, monsieur le rapporteur, c'est moi. Je ne savais pas que j'étais rapporteur de cette commission, excusez-moi. Bien. Comment on procède, monsieur le secrétaire général? Je vais d'abord demander à monsieur Pabouti, monsieur le secrétaire, de lire le rapport de la commission du règlement intérieur. Et ensuite, je vous passerai la parole, effectivement, pour nous apporter des précisions nécessaires. Madame Ruffnac, vous avez la parole. Oui, merci, madame la présidente. Est-il nécessaire de lire les rapports? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire usage de l'article 59?
On a une très très longue matinée. Là, je vois que le rapport il est quand même assez long. Comme il y a vos amendements, on va être en débat à nouveau. Voilà. C'est une proposition, les collègues, que je fais. Hein. On peut pour la CP aussi utiliser l'article 59. Hein. C'est pareil. Monsieur le membre du gouvernement. Monsieur le membre du gouvernement, bonjour. On ne s'avait pas vu. Puis votre question est hors de propos, monsieur. Encore. Merci. J'interroge les élus sur la proposition de Madame, Madame Ruffnac. Tout le monde est d'accord ? Très bien. D'accord. Et donc, on va d'abord passer la parole au secrétaire général, effectivement, qui va nous faire un petit topo sur la commission, déroulement de la commission de la dernière fois, et nous soulever les principaux points inscrits donc, qui font que ce règlement intérieur a été mis à une modification du règlement intérieur a été soumise aux élus. Et ensuite, j'ouvrirai la discussion générale. Monsieur le secrétaire général, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer de synthétiser les travaux de commission, mais c'est effectivement relativement simple, puisque les travaux ont été extrêmement riches et se sont tenus dans un climat extrêmement constructif. Cette proposition qui a été déposée sur le bureau du Congrès vise à introduire plus de transparence dans les travaux de l'Assemblée, puisqu'il y a une attente forte qui est régulièrement exprimée de la part de citoyens, alors soit organisés collectivement, soit individuellement, de connaître mieux l'état des textes qui sont examinés devant vos assemblées. Alors, je dis vos assemblées parce qu'il s'agit à la fois de la séance en formation plénière, mais également de la commission permanente. Aujourd'hui, si ce texte n'est pas voté, les projets et propositions qui sont déposés sur le bureau du Congrès, à raison de 93% de textes provenant du gouvernement et donc de projets, 7% étant à l'origine des propositions, ne sont pas rendus publics. C'est-à-dire que les citoyens savent qu'il y a un sujet qui est traité, mais ne connaissent pas en réalité le contenu à proprement parler des textes qui sont votés. Donc, l'administration et le président du Congrès ont proposé d'envisager de rendre public ce qui n'est pas public aujourd'hui, c'est-à-dire les textes tels qu'ils sont déposés sur le bureau de l'Assemblée, à la fois les projets et les propositions, mais également, pourquoi pas aller plus loin en rendant public les travaux préparatoires qui ont précédé l'examen en séance, c'est-à-dire notamment, et je ne cite que ça, les rapports de commission et sur les délibérations, par exemple, et les rapports spéciaux relatifs aux lois du pays avant leur examen en séance et avant qu'ils ne soient rendu public au cours de la séance. La commission a eu l'occasion de débattre des trois articles. L'article premier qui propose de mettre fin au caractère confidentiel des travaux de commission. L'article 2 qui propose la diffusion sur le site internet du Congrès de l'ensemble des projets et propositions de texte, ainsi que de leur exposé des motifs. Et enfin l'article 3 qui propose de rendre public les rapports spéciaux de loi du pays qui, lorsqu'ils sont mis en distribution auprès des élus, c'est-à-dire 8 jours au moins avant la séance publique. Chacun de ces articles a été analysé et étudié par la commission. Et les positions, si je peux les résumer, Madame la Présidente, on doit comprendre que, à la lumière des travaux de commission, que il y a globalement quand même un consensus pour être prudent sur la publicité qu'on est susceptible d'introduire sur les travaux de commission, notamment parce que le travail des commissions est extrêmement technique, notamment parce que les positions ne sont pas toujours définitivement arrêtées en commission, et notamment aussi parce que les élus veulent éventuellement garder une certaine liberté dans l'exercice de leur mandat au regard de ce qui peut se dire, se traiter et la nature des débats qui peuvent avoir lieu en commission. Je rappelle qu'aujourd'hui, les débats en commission sont confidentiels, ils font l'objet d'un rapport qui est lu en séance. Et donc, ce qui a été souhaité au cours de la réunion de commission, c'est qu'on maintienne cette situation pour éviter qui est mis en distribution
des positions qui ne soient pas définitives, parce qu'il est vrai que les positions ne sont pas toujours arrêtées en commission. Certains groupes, d'ailleurs, proposent de réserver leurs avis pour la séance. Donc les positions qui sont susceptibles d'être éventuellement exprimées peu ou prou en commission ne sont pas révélatrices de ce qui peut être en séance. Et en tout état de cause, d'ailleurs, le rapport de commission est lu en séance. Donc les élus présents en commission ont estimé qu'il n'était pas absolument nécessaire de rendre public le rapport de commission qui, in fine, de toute façon, est lu en séance. Voilà. Donc il y a eu un débat sur ce point. Il faut comprendre qu'il y a un parti de prudence sur la publicité susceptible d'être introduite sur les rapports de commission. Certains conseillers ont proposé qu'on diffuse les rapports de commission après la séance d'adoption. Et d'autres conseillers, et c'est d'ailleurs le sens de l'amendement que vous avez déposé, Madame la Présidente, ont estimé au contraire qu'il fallait purement et simplement supprimer l'article 1er et maintenir pour l'instant la confidentialité des travaux de commission qui, de toute façon, encore une fois, je le rappelle, font l'objet d'une publicité à l'occasion de la séance puisque le rapport de commission, comme vous le savez, est dans la plupart des cas intégralement lu. Ça, c'est pour l'article 1er. Pour l'article 2, il faut considérer, à mon sens, qu'il y a un consensus, en revanche, global pour le maintien de l'article 2 en l'état, puisque les élus ont effectivement considéré qu'il était nécessaire, ou en tout cas ont admis qu'il pouvait être utile et nécessaire de rendre public les textes déposés sur le bureau du Congrès. Attendez, excusez-moi. Oui, c'est ça. Donc l'objet de cet article, il est de permettre d'assurer la diffusion au public sur le site internet du Congrès des projets et propositions de délibération et de loi du pays ainsi que leur exposé des motifs. Donc là, globalement, il y a un consensus. C'est le constat aussi qui a conduit à envisager d'introduire cette nouvelle disposition dans le fonctionnement de l'institution. C'est qu'il y a une confusion aujourd'hui qui s'opère dans l'esprit des Calédoniens. Dans la mesure où le gouvernement arrête et adopte finalement un projet de loi du pays ou de délibération qui a vocation à être déposé sur le bureau du Congrès, que celui-ci communique à l'issue de son point de sa séance hebdomadaire et à l'occasion de son point de presse et dans le cadre de communiqués officiels, et que très souvent, on constate qu'il y a une transformation finalement médiatique ou un raccourci médiatique qui laisse entendre que ce que le gouvernement a projeté, je rappelle que ce ne sont que des projets, c'est votre assemblée qui décide en dernier ressort, n'est qu'au stade de projet et souvent c'est présenté comme si c'était adopté. Et donc on doit en général dans ces situations-là faire un effort d'explication pour dire qu'il y a encore du chemin. Avant, on le voit sur un certain nombre de dossiers, il y a encore du chemin avant que le texte soit adopté. Et donc, pour éviter cette confusion, il est proposé de rendre public le texte déposé, le projet ou la proposition. Il y a eu une demande faite par Mme Thiéoué, notamment, de réfléchir à l'adaptation de ce mécanisme au système de la navette parlementaire avec le Sénat coutumier, et la Commission a consensuellement proposé d'ajouter une disposition supplémentaire. Vous aurez l'occasion de le voir à la faveur de l'examen de l'article 2 pour adapter la procédure au système de la navette. Et enfin, sur l'article 3, qui concerne, là, je le rappelle, les rapports spéciaux de loi du pays, la disposition proposée était destinée à permettre de rendre public les rapports spéciaux dès l'instant où ils sont mis en distribution auprès des membres de l'Assemblée. Et bien là, comme sur l'article 1er, il y a eu un parti de prudence qui s'est dégagé en commission. Et c'est la raison pour laquelle, Madame la Présidente, vous avez déposé l'amendement numéro 2 qui vise à la suppression pure et simple de cet article. Ici encore, même si votre Assemblée décide de ne pas rendre public les rapports spéciaux de loi du pays dès l'instant où ils sont distribués aux élus, les élus ont considéré que ce n'était pas grave dans la mesure où les rapports spéciaux sont intégralement lus en séance publique
et qu'ils sont donc à ce moment-là rendus publics lors de l'examen en séance. Voilà, Madame la Présidente, j'essaie d'être le plus synthétique possible sur l'état des discussions en commission sur cette proposition de délibération. Très bien, merci. Donc, je vais ouvrir le débat et puis la discussion générale. Et donc, je vous passe la parole aux membres de la commission. Si vous avez des interventions, des questions ou des réactions par rapport à ce que vient de dire le secrétaire général, Madame Ruffnack, non. D'autres interventions, je regarde à ma droite, pas d'intervention non plus. Donc, si les élus n'ont pas d'intervention, on va passer directement à l'examen de la proposition de délibération. Et je vais demander au secrétaire de séance de bien vouloir lire simplement l'avis de la commission par... ou les modifications. Et là, effectivement, je vais, sur l'article premier, je vais déjà introduire un premier amendement, effectivement. C'est là, c'est lui qui donne l'amendement, là. D'abord, l'avis de la commission. Monsieur le secrétaire, sur l'avis de la commission. Alors, Madame la Présidente, donc, c'est l'avis favorable des conseillers sur l'article 1er, ainsi modifié. Oui. Monsieur le secrétaire général, si vous pouviez rappeler effectivement la teneur des débats en commission, c'était l'article 1er. Merci, Madame la Présidente. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vous verrez en page 10 de votre rapport la mention qui est en rouge. C'était le fruit de la discussion en commission au moment où le débat a eu lieu, c'est-à-dire que la proposition alternative qui était faite, et c'est celle sur laquelle la commission a rendu un avis favorable au moment de l'examen, qui était de permettre de rendre public les rapports de commission à l'issue de la séance publique au cours de laquelle le projet ou la proposition sont examinés par l'Assemblée. Donc je vais juste vous lire la phrase qui avait été validée en commission et le complément qui était accepté en commission. La nouvelle rédaction du deuxièmement aurait été « L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé. » Et là, je cite « À l'issue de la séance publique au cours de laquelle le projet ou la proposition sont examinés, les rapports de commission sont diffusés au public sur le site Internet du Congrès. » Donc ça, c'était la rédaction qui avait recueilli l'avis favorable de la commission. Mais depuis lors, il y a également votre amendement, Madame la Présidente, qui vise finalement à supprimer purement et simplement toute la rédaction initialement proposée sur l'article 1er. Donc, si vous en êtes d'accord, Mesdames et Messieurs les conseillers, je vais vous lire donc cette proposition d'amendement à l'article 1er. Il s'agit d'un amendement qui vise à supprimer tout simplement l'article 1er, donc relative à la proposition de délibération relative à la publicité des travaux du Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui tendait à modifier les dispositions de l'article 27 du règlement intérieur du Congrès afin de permettre la diffusion des rapports relatifs aux travaux des commissions à compter de leur communication aux conseillers de la Nouvelle-Calédonie. Il a en effet été jugé préférable de ne pas diffuser les rapports de commission pour ne pas perturber la sérénité des travaux des commissions. À ce stade, la diffusion sur le site Internet du Congrès de l'ensemble des projets et des propositions de textes et de leur exposé des motifs apparaît suffisante en matière de publicité des travaux du Congrès. Et donc l'amendement, c'est simplement pour dire que l'article 1er est supprimé et donc enlevé de la proposition de délibération. Voilà l'objet de cet amendement. Je vous laisse la parole pour que vous puissiez le commenter. Madame Ruffnack. Oui, merci Madame la Présidente. C'est vrai qu'on on a pris beaucoup de temps en commission pour discuter de ces dispositions. On était tous assez hésitants finalement. Effectivement, je pense que c'est préférable qu'on diffuse les textes, effectivement, mais pas les rapports, parce que comme on a eu l'occasion de le dire longuement pendant la commission, on risque d'être pris à partie. Vous l'évoquez dans votre exposé des motifs, s'il s'agit de la sérénité des débats, qu'on soit un peu protégé de nos débats internes.
mais que les textes et puis les débats sont publics hein, de toute façon, donc les séances, donc les gens peuvent assister. Mais après, les écrits, c'est si facile de faire, comme on l'a dit en commission, des captures d'écran pour aller instrumentaliser une phrase sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et on va tous être plus victimes qu'autre chose, alors qu'on voulait un travail finalement plus de transparence. Donc nous, on est favorable à cet amendement. Eh bien, monsieur le membre du gouvernement, vous vouliez effectivement intervenir, vous merci. En prie. Merci, madame la présidente. Je suis totalement d'accord avec cette position, parce que des fois, c'est le sport de certains conseillers, de faire des captures d'écran, d'extraire et d'en faire après des communiqués de presse. Tout à fait. Ben, monsieur Blaise a admis l'avoir fait. D'autres commentaires? Madame Thioué. Merci, président. Pour nous, il n'y a pas de souci sur ce premier amendement. Juste faire une observation par rapport à la collégialité où tout de suite derrière, la presse transforme en vérité les décisions du gouvernement, alors que les textes doivent passer ici au Congrès pour validation. Parce que quand nous écoutons les médias le soir, nous avons l'impression que les textes sont déjà votés au gouvernement. Et ça, c'est de la manipulation. Donc, nous, quand les textes arrivent ici, le délai, j'interroge aussi l'administration du Congrès, entre le moment où la collégialité décide, ça descend combien de temps après? Parce que la collégialité, tout de suite les décisions prises, tout de suite c'est dans les médias. Alors que c'est faux, c'est pas encore acquis, puisque ça doit obligatoirement passer par ici. Je parle de délibération, de loi du pays, hein, pas d'arrêté, puisque c'est de leur responsabilité. Mais tout ce qui nous concerne. Donc il faut aussi qu'on fasse, ou on interpelle la presse pour écrire comme il faut justement les décisions et ne pas induire en erreur la population. Merci. Merci Madame Thioué. Monsieur le secrétaire, il y avait Monsieur Le Courrier qui voulait pas vous la prendre avant lui ou on le laisse intervenir. Juste, allez-y Monsieur Le Membre. Merci Madame la Présidente. C'est juste pour préciser donc les séances du gouvernement. C'est des séances qui ont lieu le mardi à 9h, ce n'est pas la collégialité. C'est la séance du gouvernement se prononce officiellement sur des textes qu'elle valide. Et après, nous avons un point presse l'après-midi, hebdomadaire, en nous indiquant l'avis de la séance du gouvernement. Et nous indiquons à chaque fois que les textes sont déposés sur le bureau du Congrès. Et à chaque fois, c'est indiqué que nous les validons, nous, à notre niveau, et que nous, par conséquent, après, ils sont déposés sur le bureau du Congrès. Après, la formation des journalistes, c'était une autre question, Madame Thioué. Bien, moi, c'est vrai qu'après, on a l'impression d'être mis au pied du mur aussi, et puis que les gens ne comprendraient pas que le gouvernement prenne une position et que le Congrès en prenne une autre, comme c'est son droit, puisque c'est le Congrès, en fait, qui décide, qui délibère. Le gouvernement ne fait que des projets soumis à la décision du Congrès. Là aussi, il faudrait peut-être, effectivement, Monsieur le secrétaire général, faire précision sur les rôles de chacune de ces deux institutions. Le gouvernement fait des projets et ensuite exécute les décisions qui sont prises par le Congrès. Voilà, je vous remercie, Monsieur le secrétaire général, pour en revenir à ce que disait Madame Thioué. Si vous pouviez apporter des précisions sur le circuit et les calendriers des textes soumis au Congrès par le gouvernement. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Il est vrai que... Il y a deux niveaux de délai, quoi, finalement. Et pour répondre à Madame Thioué, il y a d'abord la question du délai entre le moment où le gouvernement arrête un projet et le moment où il est déposé sur le bureau du Congrès. Le plus fréquemment, c'est le jour même. Le gouvernement arrête le mardi matin un projet de délibération de loi du pays. Et dans la plupart des cas, il est déposé le jour même. Il arrive néanmoins, et on l'a vu, qu'il y a un décalage entre le moment où le gouvernement l'arrête, en débat le cas échéant, et amende son propre projet, en quelque sorte, avant dépôt sur le bureau du Congrès, et le dépôt réel sur le bureau de l'institution. Ce genre de décalage est fréquent. C'est pas le plus fréquent, mais c'est fréquent. Ensuite, il y a le délai dans lequel, qui s'écoule entre le moment où le texte est déposé et le vote, à proprement parler. Comme vous l'avez souligné, Madame la Présidente, institutionnellement, en tout cas dans le circuit, le gouvernement propose et le Congrès dispose.
Et en réalité, là, en revanche, vous avez des délais très contrastés, très différenciés. Il y a des textes qui vont nécessiter plusieurs mois de discussion devant l'institution. Par exemple, Madame Thiéoué, rapporteure de loi du pays, qui ont nécessité plusieurs mois de discussion devant la commission de la santé. Il arrive même qu'il y ait des textes qui soient déposés sur une mandature N et dont le processus d'adoption se finalise en mandature N plus 1 parce que les discussions sont nécessaires, les travaux techniques doivent être finalisés, les informations sollicitées apparaissent insuffisantes aux conseillers. Et puis il y a d'autres dossiers qui vont beaucoup plus vite. Mais en tout état de cause, il est vrai que ce n'est pas au moment où un projet de délibération était arrêté par le gouvernement ou un projet de loi du pays arrêté par le gouvernement qu'il faut considérer que le dispositif est applicable et adopté par le Congrès. On a d'ailleurs nous-mêmes cette difficulté s'agissant des lois du pays, dans la mesure où, comme vous le savez, en matière de loi du pays, vous avez le jour J, votre adoption, puis après, il y a 15 jours qui vont s'écouler durant lesquels les membres du Congrès et d'autres autorités ont la faculté de demander une seconde lecture. Et après, il y a un processus de promulgation qui lui-même prend maximum une dizaine de jours. Et donc déjà, nous, on a une pédagogie à faire sur, lorsqu'une loi du pays est adoptée, sur le fait que ce n'est pas parce qu'elle est adoptée qu'elle est immédiatement applicable. Donc moi, ma conviction, en tout cas, c'est ce que j'ai développé en commission, c'est qu'il y a vraiment un effort collectif entre les institutions que sont le gouvernement et le Congrès à faire pour participer à cette pédagogie et cette information. Donc nous, pour ce qui nous concerne sur notre site Internet, je proposerai à nos équipes que nous précisions sur le site Internet que ce qui est déposé n'est pas applicable tant que ce n'est pas adopté. Voilà, donc que le Calédonien, le citoyen, n'ait pas l'impression que parce que c'est disponible en ligne, c'est entré en vigueur. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Monsieur le membre du gouvernement, vous voudriez apporter une précision, un élément complémentaire ? C'est juste dans le déroulé du Monsieur le Secrétaire Général, j'aimerais bien qu'il pousse un peu plus loin. C'est-à-dire que quand il y a une loi de pays, il y a des fois des deuxièmes lectures aussi. Rappelez les délais, tout ça, s'il vous plaît. Monsieur le Secrétaire Général, allez-y. Oui. Lorsqu'une loi du pays. Je pars du moment où la loi du pays est adoptée. Hein. C'est-à-dire qu'elle est adoptée. Elle est adoptée à un jour J, à une majorité minimum de 28 voix. Et ensuite, une fois cette adoption passée, les membres du Congrès, comme les présidents d'assemblée de province, comme le haut-commissaire, comme le président du gouvernement d'ailleurs, ont la faculté de demander une deuxième lecture dans ce délai de 15 jours. Et ensuite, le Congrès programme dans des délais qui ne sont pas encadrés, qui ne sont pas fixés, qui ne sont pas préfixés, le cas échéant, cette deuxième lecture. Et je développais cela, j'espère répondre à votre question, pour dire que ce n'est pas parce qu'on a que vous avez adopté en séance, les membres du Congrès, une loi du pays, que pour autant, elle entre en vigueur et elle rentre dans l'ordonnancement juridique. Et c'est pour cette raison qu'on doit nous-mêmes faire preuve de pédagogie s'agissant des textes adoptés par l'Assemblée qui, en apparence, peuvent entrer en vigueur à partir du moment où ils sont adoptés, mais ça n'est pas réellement le cas s'agissant des lois du pays. J'ai répondu à votre question, monsieur le membre du gouvernement. Merci, monsieur le secrétaire général. Moi, j'aurais une question. Effectivement, à quel moment les décisions du Congrès sont rendues exécutoires ? Est-ce que c'est directement au moment où ils sont votés, ou est-ce qu'il y a un délai entre le moment où on vote des textes, que ce soit des projets de loi du pays ou des projets de loi simples ou des projets de délibération, dès que la décision est prise par le Congrès, est-ce que le texte et les mesures est exécutoire de plein droit, ou est-ce qu'il y a un délai entre le vote et l'entrée en vigueur des textes ? Oui, merci, madame la présidente. Alors, pour simplifier, je vais distinguer loi du pays et délibération. Pour ce qui concerne les délibérations, c'est d'ailleurs le cas également dans les assemblées de province dont vous êtes membre. S'agissant des projets de délibération, une délibération est exécutoire à partir du moment où elle a été, à une double condition, transmise au contrôle de légalité et publiée au journal officiel. Ces formalités-là, alors la transmission au contrôle de légalité s'est faite quasiment instantanément
au sortir de la séance d'adoption. La publication au journal officiel, elle est assurée par le président du gouvernement dans un délai de 10 jours maximum. Mais à partir du moment où ces deux formalités sont remplies, le texte est exécutoire sans autre formalité et sans autre condition. D'ailleurs, on dit exécutoire de plein droit une fois que ces deux conditions sont remplies. Souvent, pour répondre plus précisément encore à votre question s'agissant des délibérations, les délais sont extrêmement courts entre le moment de l'adoption et l'accomplissement de cette double formalité. S'agissant des lois du pays, c'est un peu plus sophistiqué, c'est le processus que je décrivais tout à l'heure. La loi du pays est adoptée en première lecture. Il convient d'attendre un délai de 15 jours durant lequel les membres du Congrès peuvent formuler une demande de seconde lecture avant d'envisager de lancer ce qu'on appelle les formalités de promulgation. Et cette formalité de promulgation, elle est déclenchée dans les faits par le président du Congrès, mais en réalité, ceux qui promulguent la loi du pays ont 10 jours pour le faire, et il s'agit en réalité du haut commissaire qui doit le faire avec le contreseing du président du gouvernement. J'observe d'ailleurs, juste pour la petite histoire, Madame la Présidente, que nous avons, avec chaque président qui s'est succédé, est extrêmement surpris de voir qu'à aucun moment le président du Congrès n'est signataire d'une loi du pays. Il authentifie les votes, il dirige la séance de vote, mais en réalité, il ne signe pas l'acte à proprement parler. Vous pourrez voir par vous-même, d'ailleurs, dans les publications, il n'y a jamais le nom, s'agissant des lois du pays, du président du Congrès qui en a assuré l'examen et le vote. Et donc, pour résumer, avant qu'une loi du pays soit pleinement exécutoire, qu'elle entre en vigueur, il faut attendre le délai de 15 jours de demande de seconde lecture, puis 10 jours maximum pour qu'elle soit promulguée. Souvent, d'ailleurs, la promulgation se fait au début du délai de 10 jours. Donc, ce qui signifie que vous avez de toute façon 15 jours minimum avant qu'une loi du pays entre en vigueur lorsque vous l'adoptez. Voilà. Et par voie de conséquence, d'ailleurs, pour aller plus loin, si vous avez une délibération d'application qui accompagne une loi du pays, celle-ci ne pourra être adoptée par le Congrès que dès l'instant où la loi du pays dont elle constitue une mesure d'application sera promulguée. Donc il faut attendre la promulgation de la loi du pays avant d'envisager l'adoption en séance de la délibération d'application. Et donc quand on a un package, comme c'est souvent le cas, loi du pays, délibération, il est clair que pour le citoyen, il y a un moment donné, il faut qu'on puisse expliquer que ce n'est pas parce que c'est adopté que tout le dispositif est entré en vigueur. Voilà, puisque non seulement la loi du pays n'est pas immédiatement entrée en vigueur, mais en plus, la délibération d'application ne peut même pas être adoptée tant que la loi du pays n'est pas promulguée. Bien, merci, M. le secrétaire général. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore sur... Non, pas d'autres questions. Donc, je vais mettre l'amendement numéro 1 aux voix, qui est pour Madame... Oui, alors, à l'unanimité, l'amendement numéro 1 est adopté. Merci. On va passer donc à l'examen... Donc, l'article 1er de la proposition de délibération n'existe plus, est supprimé. On va passer à l'examen de l'article 2, Monsieur le secrétaire. Avis favorable sur l'article 2, ainsi modifié. Alors, la modification de l'article 2, c'est que la commission a proposé l'insertion d'un deuxième alinéa. Donc, ce deuxième alinéa est ainsi rédigé. Lorsque la navette avec le Sénat coutumier est prévue à l'article 142 de la loi organique suivie est mise en œuvre, le président du Congrès assure la diffusion sur le site Internet du Congrès du texte adopté par le Sénat coutumier. Madame la Présidente. Merci. Sur cet article 2 ainsi amendé, est-ce qu'il y a des interventions ? Pas d'intervention ? Très bien. Donc, je mets aux voix cet article 2 modifié. Qui est pour ? Donc, l'article 2 modifié est donc adopté à l'unanimité par les membres présents. On passe à l'article 3. Alors, avis favorable sur l'article 3 ainsi modifié. Donc, la modification, elle consiste à mettre en cohérence
le dispositif avec les rapports spéciaux de loi du pays. Et donc, la commission a ainsi proposé la modification suivante. À l'issue de la séance publique au cours de laquelle le projet ou la proposition de loi du pays sont examinés, le rapport spécial est diffusé au public sur le site internet du Congrès. Monsieur le secrétaire général, avant de passer à mon amendement numéro 2, où je passe directement à l'amendement numéro 2, pas d'observation. Alors, sur cet article 3, j'ai donc déposé un amendement numéro 2 c'est un amendement de conséquence à l'amendement numéro 1, donc qui a supprimé l'article 1er de la proposition de délibération. Donc, la suppression de l'obligation de communication des rapports de commission prévus par l'amendement numéro 1 implique de supprimer également l'article 3 de la présente proposition de délibération afin de ne pas autoriser la mise à disposition du public du rapport spécial au moment de sa diffusion aux conseillers dans la mesure où les rapports de commission y sont annexés. Alors, mon amendement vise également à supprimer l'article 3 de la proposition de délibération. Est-ce qu'il y a des interventions sur cet amendement ? Pas d'intervention ? Donc, je mets cet amendement aux voix. Qui est pour ? Avis favorable unanime, enfin, position favorable unanime de la commission sur cet amendement numéro 2, je vous remercie. Donc, il va sans dire qu'effectivement, avec la suppression de ces deux articles-là, le premier et le 3, vous renuméroterez les articles de la proposition de délibération. Il y avait également un article 4, c'est un article 4 nouveau. Monsieur le secrétaire. Donc, un avis favorable sur cet article nouveau. Donc, qui prévoit donc l'entrée en vigueur de la délibération au 1er juillet 2020. Et donc, l'article de transmission, c'est l'article 5, finalement. Okay, oui. Ancien article 4. Ancien article 3 qui devient l'article 3, pardon. Bah, oui. 2 est devenu 1. 4 nouveaux est devenu 3. Et là, c'est l'article de transmission. Très bien. Voilà. Et sur l'ensemble de la proposition de délibération, je vais vous demander si vous avez avant de passer au vote, si vous avez des explications de vote. Pas d'explication de vote, je vais tout de suite vous demander votre avis, enfin votre position globale sur l'ensemble de la proposition de délibération. Alors, qui est pour ? Donc, à l'unanimité, vous êtes la commission permanente adopte donc cette proposition de délibération modifiée. Merci. On passe ensuite maintenant à la proposition. Excusez-moi. À la proposition de délibération portant modification de la délibération modifiée du Congrès numéro 155 du 9 janvier 2006 relative au comité consultatif de l'environnement et de la délibération modifiée numéro 082 du 25 juillet 2000 portant organisation et fonctionnement du Conseil consultatif de la recherche. Il s'agit d'une proposition du président du Congrès numéro 32 du 28-05-2020. Pour le rappel, monsieur le secrétaire général, s'il vous plaît. Merci, madame la présidente. Cette proposition a été déposée sur le bureau du Congrès le 28 mai 2020 par monsieur le président Ouamitan et madame Françoise Souvé, qui est également présidente du comité consultatif de l'environnement. Elle a été examinée en commission de la législation et de la réglementation générale le 8 juin 2020. Et le rapport de la commission, qui porte le numéro 68, a été diffusé le 9 juin à l'ensemble des conseillers, madame la présidente. Monsieur le secrétaire général, dans la discussion générale, excusez-moi, je cherche mon rapport.
le rapport de la LRG, monsieur le secrétaire, si vous voulez bien, si vous voulez bien nous faire lecture de ce rapport, à moins que madame Ruffnac demande encore l'application de l'article 59. Oui, okay. C'est bien ça, donc on va passer directement à la discussion générale. Monsieur le secrétaire général, je vais quand même vous passer la parole pour que vous apportiez des précisions sur la problématique effectivement posée par cette proposition de délibération, s'il vous plaît. Merci, madame la présidente. La problématique qui est posée, qu'il est proposé de résoudre aujourd'hui est assez simple. Vous avez aujourd'hui auprès du Congrès deux instances consultatives qui ont été placées pour différentes raisons auprès du Congrès. Il s'agit du Conseil consultatif de la recherche et du Comité consultatif de l'environnement. Il se trouve que ces deux instances consultatives ont, par les textes en vigueur, je crois que M. Toulougoro connaît cette instance également puisqu'il a présidé le CCE il y a quelques années, ces deux instances sont dotées d'un chargé de mission qui assure le secrétariat, la coordination des travaux et l'administration, en quelque sorte, des deux instances. Chacune un chargé de mission. Il se trouve qu'au regard du faible nombre de réunions constatées au sein de ces deux instances, j'avais cité des chiffres en commission hein, qui résument assez bien. Je crois qu'il y avait 16 réunions uniquement du comité consultatif de l'environnement, dont certaines années sans aucune réunion, hein, du comité consultatif de l'environnement entre 2014 et 2019. 4 réunions, je crois, de mémoire pour ce qui concerne le conseil consultatif de la recherche. Et au regard du faible nombre de réunions, nous avons, au niveau de l'administration, proposé que ces deux postes, finalement, soient en quelque sorte fusionnés en un seul, pour des raisons, évidemment, de rationalisation budgétaire. Puisqu'en réalité, en plus, ce sont souvent des chargés de mission bien rémunérés et avec des profils supérieurs. Et donc, au regard de la charge financière que représentait le coût de ces deux postes, pas occupés à plein temps, il est apparu nécessaire et opportun de les fusionner pour redéployer dans l'administration classique, métier du Congrès, le poste restant. Voilà. Donc c'est l'objet, Madame la Présidente, de la proposition. Il s'agit, au travers de cette proposition, de modifier les deux textes qui concernent les deux instances pour organiser cette fusion des deux postes. Merci. Dans la discussion générale, j'ouvre la discussion générale. Est-ce qu'il y a des interventions ? Pas d'intervention. On va passer donc à l'examen de la proposition de délibération. Monsieur le secrétaire, s'il vous plaît. Donc, on donne l'avis de la commission chaque fois, voilà. Pas sur les articles. Donc, avis favorable sur l'article premier, madame la présidente. Très bien. Sur l'article premier, pas d'opposition. Donc, qui est pour ? Enfin, je mets aux voix. Avis favorable unanime de la commission. Enfin, la commission est pour. À l'unanimité des voix exprimées, monsieur le secrétaire, pour l'article. On continue ? Oui, pour l'article 2. C'est l'article 2. Avis favorable à l'article 2, ainsi modifié. Alors, je cherche la modification. C'est juste qu'il n'y avait pas de au mot subsidé. D'accord. Voilà la grande modification. Une petite rectification, une erreur corrigée. Donc, sur l'article 2, même vote. Donc, avis favorable à l'unanimité des membres de la CP pour cet article 2. Et ensuite, l'article 3, c'est avis favorable pour la transmission. Avant de mettre l'ensemble de la délibération en voix, est-ce que vous avez des explications de vote ? Madame Thiéoué. Merci, madame la présidente. Ce n'est pas pour une explication de vote, mais c'est suite à votre interrogation sur le souhait qui est formulé sur la démarche d'une évaluation, sur le devenir de ces deux instances. Donc, c'est pour nous rassurer que dans le cadre de la mission d'évaluation du Congrès, il y aurait aussi une évaluation de ces deux instances qui sont rattachées au Congrès.
pour voir s'ils sont vraiment, ça a été utile ou pas. Est-ce que ça va être fait? Merci Madame Thierry. Oui, Monsieur le Secrétaire Général, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Je voudrais très sincèrement vous remercier pour votre, vos interventions respectives, parce qu'en réalité, nous allons soumettre cette question aux personnes, aux experts qui vont mener l'évaluation à laquelle vous faites allusion. D'autant plus qu'on peut se poser la question de savoir si, quelle peut être l'indépendance de deux instances consultatives qui sont rattachées à une assemblée et financées par une assemblée. Est-ce que quelque part, la question qui mérite d'être posée, c'est pas contraire à certains principes, notamment de séparation, de rattacher et de faire dépendre le fonctionnement de deux instances par ceux d'une assemblée. Et à l'inverse, la question mérite aussi d'être posée, de savoir si, l'Assemblée garantit son indépendance elle-même en ayant comme ça deux instances qui lui sont adossées complètement, avec du personnel du Congrès, avec des moyens du Congrès, dans les locaux du Congrès, etc., etc. Donc cette question méritera effectivement d'être soulevée, puisque tout le débat, enfin tout l'enjeu de l'évaluation, c'est de garantir le fonctionnement et de garantir des standards à une assemblée comme le Congrès. Donc je me ferai en tout cas le relais de votre interrogation que je partage totalement en réalité. Alors on sait qu'aujourd'hui, le Conseil consultatif de la recherche est rattaché auprès du Congrès par des dispositions de la loi organique statutaire. Donc, si on veut revenir là-dessus, c'est quand même pas des plus simples. Donc, en tout cas, ça doit pas nous empêcher de nous poser la question. En revanche, s'agissant du comité consultatif de l'environnement, c'est une délibération de votre assemblée qui a décidé en 2006 de le rattacher au Congrès. Pour des raisons d'ailleurs qui, à l'époque, trouvaient leur justification, puisque les élus étaient à la recherche d'une institution indépendante des assemblées de province compétentes à titre principal en matière environnementale et indépendante de tout exécutif. Donc autant ça se comprenait en 2006, autant aujourd'hui, et c'était la question également posée par Madame Souvet en commission, au regard de l'existence d'autres instances consultatives en matière environnementale, au regard de l'ajout de la compétence environnementale au Conseil économique et social, la question, effectivement, de l'opportunité et de l'intérêt du maintien auprès du Congrès, hein, je ne parle pas du maintien tout court, mais auprès du Congrès de ces deux instances, mérite d'être étudiée de plus près, en tout cas. Bien, merci, M. le Secrétaire Général. M. Dutugourou. Ça marche. Merci, Mme la Présidente. Oui, effectivement, comme l'a rappelé le Secrétaire Général, j'ai été amené au titre de la province Nord à présider le comité consultatif de l'environnement. Et à un moment donné, on s'est posé la question de la pertinence du maintien de cette structure. Hein? La question de la structure. Parce que systématiquement, tous les textes qui étaient examinés par cette instance passaient au CESE. Et donc, il y avait un doublon à chaque fois sur toutes les choses qui se passaient, quoi. Et donc, on se posait la question de la pertinence du maintien de cette structure. Voilà. C'est ça que je voulais verser au débat, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Tutugourou. Monsieur le Secrétaire Général. Oui, Monsieur Tutugourou a effectivement rappelé ce qui était dit au sein même du CCE. J'informe également les membres de l'Assemblée que cette même question se pose aujourd'hui, selon ce que nous a dit Madame Souvé, qui aujourd'hui assure la présidence de cette instance. C'est exactement, elle a apporté ce témoignage en commission. Et pour aller plus loin, lorsque la compétence environnementale a été rajoutée aux compétences du Conseil économique et social, en 2013, lorsque votre Assemblée a été saisie pour avis sur cette proposition de modification, certains conseillers de la mandature 2009-2014 s'étaient déjà demandé s'il restait opportun de maintenir l'instance qui aujourd'hui est logée auprès du Congrès. Alors les compositions et les attributions sont différentes,
Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a une multiplication des instances consultatives dans le périmètre institutionnel qui complexifie finalement l'examen des dossiers. Merci. De toute façon, ce qui concerne, si une décision est prise, il suffit d'une simple délibération du Congrès pour effectivement modifier cette organisation-là. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Donc, sur l'ensemble de cette proposition, Monsieur le membre du gouvernement, vous avez quelque chose à rajouter? Non, moi, je partage l'avis du conseiller Tugoureau sur le sujet de vouloir rationaliser peut-être certains conseils consultatifs ou autres. Et j'ai envie de dire, il ne faut pas trop se poser de questions des fois, hein, parce que le CESE le fait, et je pense que, comme l'indiquait le secrétaire général, peut-être à un moment donné, c'était trop frais, peut-être, donc on n'osait pas s'enlever. Je pense que le Congrès a d'autres choses à faire. Et le secrétaire général adjoint me disait, confirmé, que la Nouvelle-Calédonie, nous avons créé ou représenté 400 conseils, organisations, observatoires, comités divers. 400. Pour certains, sont des redondances, pour certains ne fonctionnent pas, pour certains sont des coquilles vides. Et souvent, à chaque problème ou à chaque question qu'on se pose, on crée une structure, mais on oublie, quelques années après, d'éteindre les structures que l'on avait créées peut-être et qui n'ont plus d'intérêt. On est en train de faire ça sur quelques sujets actuellement, mais pour créer, des fois, c'est plus facile que pour les supprimer et pour les éteindre, parce qu'il y a un petit compte en banque, il y a un petit peu de sous dessus, il y a une personne qui travaille à mi-temps, il y a un petit local quelque part, donc ça pose, c'est beaucoup plus compliqué, c'est pas infaisable, hein. On est en train d'en faire là quelques-uns, mais je vous dis, on en a une centaine, disons 400, et on les éteint par unité, quoi. C'est 2, 3, mais si vous pouvez le faire, vous, à votre niveau, l'environnement s'en portera aussi bien, je pense aussi, hein, d'une autre approche, d'un autre regard, quoi. Voilà. Monsieur le membre du gouvernement, enfin, ça fait partie du toilettage peut-être administratif de nos institutions, quoi. Parce que là, ça demande effectivement, c'est du travail, simplement prendre le courage de. Merci. Vous avez donné votre avis, enfin votre position sur l'ensemble de la délibération, pas encore. Alors, qui est pour? Donc, avis favorable unanime de la commission permanente pour cette proposition de délibération, donc avec des souhaits aussi, effectivement, de revoir le bien fondé de cette... ou la modification, effectivement, monsieur le secrétaire général, de cette organisation-là au sein du Congrès, en ce qui concerne en tout cas le CRE. Pardon. Merci. Donc, il nous reste une délibération, proposition de délibération à examiner. Il s'agit de la proposition de délibération portant modification de la délibération modifiée numéro 2 du 24 mai 2009 portant désignation des membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie au sein des commissions intérieures et spéciales. Il s'agit de la proposition de modification numéro 30, c'est bien ça ? Du 25-05-2020. Monsieur le secrétaire général, s'il vous plaît. Madame la Présidente, si vous êtes d'accord, je peux donner lecture de l'exposé des motifs, hein ? Oui. Bien, l'exposé des motifs est ainsi rédigé. Conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi organique modifiée numéro 99-209 du 19 mars 1999, je cite, le Congrès tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son président. La première s'ouvre entre le 1er et le 30 juin. La seconde, dite session budgétaire, s'ouvre entre le 1er et le 30 novembre. Au terme du même article, le Congrès fixe par délibération la date d'ouverture et la durée de ces deux sessions ordinaires. Il est également précisé que, je cite, si le Congrès se sépare sans avoir fixé la date d'ouverture de la prochaine session ordinaire, cette date est déterminé par la commission permanente. Fin de citation. La présente proposition de délibération a pour objet de fixer la date d'ouverture et la durée de la première session ordinaire de l'année 2020. Il est ainsi proposé de retenir la date du 30 juin 2020. La durée de la session est fixée à 2 mois. Celle-ci serait donc close le 30 août 2020. Tel est l'objet
de la présente proposition de délibération, Madame la Présidente. Secrétaire général. Bien. Est-ce qu'il y a des interventions dans la discussion générale ? Sinon, on passe directement donc à la délibération, Monsieur le Secrétaire, s'il vous plaît. Ou Monsieur le Secrétaire général. Monsieur le Secrétaire général, je vous laisse la parole, effectivement, pour lecture de la délibération. Bien. Je vous épargne la lecture des visas, Madame la Présidente. Oui, l'article 1er est ainsi rédigé. La date d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2020 est fixée au 30 juin 2020. Oui. Pas d'intervention. Article approuvé. Article 2. L'article 2, la durée de la session est fixée à 2 mois. Comme d'habitude, très bien. Et sur l'ensemble de la délibération, effectivement, donc avis favorable de la commission permanente. Nous allons passer à la dernière proposition de délibération et je vais tout de suite passer la parole donc à Madame Ruffnac, effectivement, parce qu'il s'agit d'une proposition déposée par Madame Nadine Jalabert sur une intervention d'élus dans une commission, c'est bien ça ? Sur un remplacement d'un élu par un autre de votre groupe. Je vous laisse la parole, Madame Ruffnac. Oui, merci, Madame la Présidente. Oui, Madame Jalabert a déposé cette proposition de délibération qui remplace Monsieur Blaise dans la commission du règlement intérieur par moi-même. Bien. Y a-t-il des oppositions ? Monsieur Blaise, vous êtes d'accord ? Très bien. Donc, Mathias, tu n'es pas d'accord ? Monsieur Wanneau n'est pas d'accord, Madame Ruffnac. Enfin bref, article 1er, donc. C'est le seul objet de cette délibération, donc de cette proposition de délibération. Je vais demander l'avis de la CP, des conseillers de la CP sur cette délibération. Et il y a des, à part Mathias, qui est contre. Donc avis favorable à l'unanimité, Madame Ruffnac, sur cette proposition de. Oui, vous avez. Oui, je voulais faire un petit point d'humour en disant qu'ils sont gagnants ceux qui font partie de la commission règlement intérieur aujourd'hui, puisque le président du Congrès vient de déposer, je crois, 78 ou 98 pages modification du règlement intérieur avec 46 articles de modification. Donc d'accord. Je pense qu'on est très gagnants d'entrer dans la commission en question. Monsieur Blaise a eu le nez. Là, il se sauve à toute vitesse, là. Très bien. Bien, avec l'adoption de cette dernière proposition de délibération, donc il s'agit de la modification donc de la délibération modifiée numéro 2 du 24 mai 2019 portant désignation des membres du Congrès de Nouvelle-Calédonie au sein des commissions intérieures. Donc il s'agit de désignation de Madame Virginie Ruffnac au sein de la commission du règlement intérieur en lieu et place de Monsieur Blaise. Voilà, nous en avons fini avec notre réunion de la CP de ce jour. Je vous remercie tous. Merci à tous. Merci pour vos questions, pour vos demandes de précision. On en sait un peu plus que quand on est arrivé tout à l'heure. Très bien. Merci, monsieur le membre du gouvernement et monsieur le secrétaire général du gouvernement. Et bien entendu, merci à nos collaborateurs efficaces et qui nous éclairent du secrétariat général. Merci à tous. Et bon week-end. Bon week-end.